Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui est d'actualité, c'est-à-dire l'alourdissement de la clientèle. L'alourdissement de la clientèle se passe autant dans le réseau public que dans le réseau privé. En effet, le vieillissement de la population est un phénomène qui va s'accélérer dans les années qui viennent. On parle que d'ici 20 ans au Québec, le quart de la population aura plus que 65 ans. C'est énorme. La même chose se produit aussi au niveau de l'hébergement. Dans le temps, on pouvait rentrer en hébergement public en volant de sa voiture, on avait des permis de conduire. Maintenant, il n'y en a plus. L'alourdissement de la clientèle fait en sorte que si on parle au niveau public, environ 85% des personnes qui sont présentes en CHSLD ont des problèmes cognitifs importants. L'espérance de vie aujourd'hui quand on entre en CHSLD est peut-être de 17 mois seulement. Le même phénomène se produit aussi en résidence privée. En résidence privée, bien sûr, on y entre comme personne autonome de façon générale. Mais par la suite, au fil des ans, se développent des services qu'il faut aussi identifier pour une clientèle qui pourrait devenir de moins en moins autonome. Comment offre-t-on ces services Est-ce qu'on les offre à l'intérieur ou on fait affaire plutôt avec les CLSC ou avec d'autres agences qui vont pouvoir les offrir Mais c'est un phénomène qu'il faut absolument avoir présent en esprit cet alourdissement de la clientèle. La réflexion sur le milieu de vie nous amène aussi à préciser certains points. Est-ce que les milieux d'hébergement vont continuer à demeurer des milieux de vie ou bien entrons-nous dans une autre phase qui est celle de la fin de vie C'est des questions importantes et qui peuvent influencer nos façons d'offrir des services tant dans le réseau public que dans le réseau privé. C'est une réflexion extrêmement importante et j'aimerais qu'on nous y réfléchissions ensemble.